Bonjour, voilà l'anémomètre thermomètre. Il est vendu par TLFR. On va regarder ensemble comment il est fait, mais déjà ici, on le voit. Donc, on voit ici où il y a l'hélice qui va prendre la vitesse du vent, l'afficheur et les boutons de sélection. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, je vais le sortir de la boîte. Donc, la pile. Il y a une pile qui est fournie avec, hein. Donc, ici, on a le manuel d'utilisation. On va regarder ensemble comment il est fait, hein. Donc on voit qu'il y a plusieurs langues, donc il y a l'anglais et on voit qu'il y a le français de la page 13 à 18. Donc ça c'est très bien. Donc voilà le français. Donc vous avez les instructions, affichage, donc il affiche le Maxi, le Mini en mode d'enregistrement, affichage de la température, l'unité de la température, unité de vitesse. Il y a un mode Maxi Mini, affichage de la vitesse bien sûr, hein, c'est un anémomètre donc c'est fait pour ça, et indicateur de la batterie faible. Ça c'est très bien. Donc déjà, avoir un mode d'emploi en français, c'est très bien. Donc je vous le montre de près. Voilà pour cette page-ci. Je vais vous montrer l'autre page. Voilà. Et voilà. Encore une page. Donc avec différentes informations hein, sur la vitesse. Et après, c'est plus en français. Très bien à lire, hein. Pour avoir plus d'informations ou sur le mode d'emploi, enfin l'utilisation de l'appareil. Donc c'est vraiment à regarder. Donc l'appli qui est fournie, très bien. Et voici l'anémomètre. Comme vous pouvez le voir, très joli, rouge et noir, hein, ça donne bien. Ici vous avez l'écran, ici vous avez la touche Maxi Mini, la touche des unités, touche milieu et la touche pour la mise en route de l'appareil. Donc l'hélice, comme vous pouvez le voir, l'hélice elle est bien protégée, hein. Donc elle est quand même en retrait par rapport à la surface, donc il peut y avoir contact, ça risque rien. Très très bien, très 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 bien. Bonne qualité. Ici à l'arrière, on a une vis pour la mettre sur un trépied. Donc ça c'est l'hélice standard qu'on retrouve sur les trépieds photo, monopode, etc. Donc ça peut être utile. Donc je vais mettre la pile et on va regarder ensemble. On va l'allumer et regarder ensemble. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il se referme bien, pas de souci. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a une petite flèche, donc ce qui donne bien le sens de pénétration du vent. Hein. Ça doit venir comme ça pour avoir des bons résultats fiables. Hein. Donc, vous vous mettez face au vent, le vent va venir par ici, et vous avez l'afficheur où vous pourrez collecter vos données, vitesse maxi, vitesse mini, etc. Donc, très bien. Donc, je vais le mettre en route. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est rapide. Hein. Très bel afficheur. L'unité, là, je suis en kilomètres heure, donc c'est ce qu'il faut. Et la température, c'est en degrés. Après, je peux changer les unités que je veux, comme je veux ici. Hein. Donc, vous allez les mettre secondes et les kilomètres heure. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est les kilomètres heure. Hein. Et là, vous avez la vitesse maxi et mini enregistrée. Donc, vous les voyez affichés ici, hein, en dessous. Maxi, mini, maxi, mini. Au-dessus, là, c'est la température qu'on a à l'heure actuelle dans la pièce. Quand vous serez dehors, vous aurez à la fois la température et la vitesse du vent. Donc ça, c'est très bien. Donc je vais essayer de souffler dans l'appareil. Je vais souffler ici et on va voir ce qui s'affiche là. Voilà. Donc j'ai une vitesse ici qui est de 44 km/h. Donc ça, c'est la vitesse maxi. La vitesse mini, elle est de 0, bien sûr. Donc, mais c'est très bien. Donc, vitesse mini, vitesse maxi, on a bien. L'unité, on peut les changer. Vous pouvez enregistrer vos valeurs, les récupérer. L'appareil n'est pas lourd, très léger, bonne prise en main, facile d'utilisation, comme vous avez pu le voir. Hein. Voilà, on souffle dedans. Et là, on va avoir la vitesse maxi et la vitesse mini. Donc, l'appareil, il est de bonne qualité. Écran très lisible et touches faciles d'accès. En plus, vous avez un petit bruit sonore qui vous signale bien que vous avez appuyé dessus. Donc, si vous êtes dehors avec des gants, vous allez au moins l'entendre. Si des fois vous touchez, on n'est pas sûr. Mais là, vraiment, il y a un bon contact. Il n'y a pas de souci. Hein. Touche du milieu, facile d'accès. On-off fonctionne très bien. L'appareil, il est très bien fini, comme vous pouvez le voir. Je vous le montre de près. Voilà. Voilà. Donc, très bien. Très bon appareil, de très bonne qualité, bonne finition. Il affiche la température, la vitesse maxi, la vitesse mini. Donc c'est un anémomètre thermomètre. Il est vendu par TLFR. C'est un anémomètre thermomètre que je vous conseille. Sans aucun souci. Bonne qualité, bonne finition. Il n'y a rien à redire. Très bien.